Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tallback, ce débrief MotoGP consacré ce soir au Grand Prix de San Marin qui s'est tenu hier sur le circuit de Misano. Pour débriefer, évidemment, je vais retrouver mes acolytes et on va saluer bien évidemment Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric. Et également Thomas Morcellino qui est avec nous. Bonsoir Thomas. Salut Eric, salut, re-salut Michel. Bon, alors messieurs, Misano, ça a été un Grand Prix spectaculaire. Autant du côté d'Aragon, il y a une semaine, on s'était un petit peu ennuyé jusqu'à l'accrochage entre Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Autant là, eh bien, ce Grand Prix de dimanche nous a réservé beaucoup de rebondissements. On va y revenir, bien évidemment, mais on va commencer par l'homme fort de ce dimanche, j'allais dire, avec Marc Marquez, qui, après sa victoire à Aragon, a récidivé à Misano. Ce n'était pas forcément les plans attendus, notamment par tous les supporters de la VR46 qui étaient nombreux. Mais voilà, Marc Marquez a gagné. Est-ce qu'on peut dire, Michel, que le roi est de retour et est-ce qu'il va être vraiment pesant jusqu'à la fin de la saison entre Martin et Bagnaia? Oui, mais Eric, mathématiquement, Marc Marquez est dans la course au titre sans problème. Il a 53 points du leader, 46 points de Pecco qui est toujours deuxième. Donc, il reste 7 Grands Prix. Je ne suis pas très fort en maths, mais Thomas va nous dire combien de points il reste à distribuer. Mais en tout cas, un bon paquet. Donc, il est dans la course au titre. Il vient de gagner 2 courses d'affilée. Il était resté 2 ans sans gagner, quasiment 2 ans sans gagner. Donc là, forcément, en termes de confiance, il est reboosté à mort. Par la même occasion, il met un petit coup de pelle sur la tête de ses adversaires. Donc même si on l'a dit et répété, il n'a pas la même moto que les autres. Ça se joue sur des détails. Alors, on va quand même reparler des conditions de course. Hein. Bien sûr. Comme il l'a dit, il a remercié le ciel à l'arrivée. Il a dit, ça fait 2 grands prix où la pluie est avec moi quelque part. Mmh. Même si Aragon, il a pas plu pendant la course, mais il a plu énormément entre les journées. Il y avait des orages la nuit, la piste était sale, glissante. On sait qu'il est rapide dans ces conditions. Il a encore prouvé aujourd'hui. Donc il a remercié, il a dédié sa victoire à son équipe qui est tout à côté du circuit, à Fausto Gresini, dont il portait les couleurs historiques, celles de la Garelli 125. Il est relancé. Alors Thomas, c'est ce que soulignait Michel, et c'est une certitude. On l'a vu notamment le samedi dans la course sprint où finalement il n'avait pas pu se faufiler au départ et il est resté bloqué derrière sans ses gouttes de pluie. Avant ces gouttes de pluie, même, il est un petit peu loin. Il est aux alentours de la 5e ou 6e position. Et dès qu'il se met à pleuvoir, en fait, c'est là où il fonce sur la tête de course, en même temps que Binder et Miller, qui sont eux aussi très à l'aise dans ces conditions délicates. Est-ce qu'on peut dire que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué et qu'il aurait peut-être pu jouer le podium, mais pas plus? Enfin, c'est difficile de savoir ce qu'il aurait fait si, mais effectivement, en partant loin sur la grille, il est tombé en Q2, ça a été compliqué pour lui justement au sprint de remonter, on l'a vu, mais après, on ne sait jamais ce qui peut se passer en course, donc après, on a vu que Morbidelli était tombé, après, avant l'arrivée de la pluie, donc on ne savait pas trop si la piste était mouillée, donc Marquez, effectivement, on le sait qu'il est habile dans ces conditions, il ne se pose pas de questions, il n'a rien à perdre finalement, et donc il savait que s'il voulait aller chercher Pecco ou Martin en course, c'était le bon moment, quoi. Donc de mettre les bouchées doubles et justement d'aller à fond quand les conditions étaient là. Et donc là, la pluie, forcément, ça a été une aubaine pour lui. C'est quelqu'un qui est habile dans ces conditions et on l'a vu. Même à l'époque, je me souviens juste là du Grand Prix de France il y a quelques années, quand il est revenu de blessure. Pareil, il s'était mis à pleuvoir, il était hyper habile. Avant de chuter, je crois qu'il a même chuté 2 fois, alors qu'il pouvait presque gagner le Grand Prix. En Autriche, pareil, quand il a plu il y a quelques années aussi. Donc, c'est ses conditions. Donc, clairement, il sait que quand il n'y a pas de grippe, il est là. Oui, et puis, Michel, ce retour, c'est aussi une autre partie du débat. On rappelle que depuis le début de l'année, on entend la GP23 est inférieure à la GP24, mais une fois qu'il s'installe, en profitant des conditions météo, on est d'accord, il prend la tête, il passe devant Pecco Bagnaia. Et là, on se dit que maintenant qu'il ne pleut plus, que la piste et la trajectoire va s'assécher, Pecco, il va revenir, il va faire qu'une bouchée de lui. Et finalement,
bah, il résiste et il finit par s'en aller. Alors évidemment, après, on peut peut-être dire, mais on y reviendra par rapport à ce qui s'est passé. Pecco, au début, il veut peut-être redoubler Marquez, et puis après, il lâche l'affaire en se disant que, quitte à prendre des points, autant prendre les 20 points plutôt que d'aller par terre. Mais quelque part, il a montré qu'il avait résisté, et que finalement, lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, ça va être compliqué pour les autres aussi de le reprendre. Ouais, Eric, ils avaient le même rythme tous les deux, mais voilà, c'est lui qui est en tête quand c'est gras, c'est lui qui prend ses marques, et derrière, Pecco, il veut pas, il sait que de toute façon, psychologiquement, il sait que Marquez a pris l'ascendant en le doublant dans ces conditions difficiles. Donc, même s'il s'accroche, il sait que c'est difficile, ça va être difficile de doubler. D'autant plus qu'à Misano, il y a cette problématique de pression de pneus, la trajectoire hyper étroite. Donc, c'est compliqué d'aller doubler. Thomas, est-ce que tu penses aussi que Pecco, derrière Marc Marquez, il se dit « Attention, la semaine dernière, avec le frère, ça a été chaud. Vu qu'il est devant, il va peut-être aussi défendre chèrement sa peau. Je vais peut-être pas faire deux fois la même erreur. » Est-ce que ça aussi, ça a pu être une explication qui, au bout d'un moment, lui a fait que Bagnaia a laissé tomber ? Non, Bagnaia, il dit clairement que Marquez a été plus fort, tout simplement. Marquez, il n'avait pas le rythme de Marquez. Marquez avait un rythme supérieur. Alors, effectivement, s'il y avait un titre en jeu, peut-être qu'il aurait été titre en jeu. Alors, mathématiquement, effectivement, Marquez est toujours… Si tu veux dire, Michel, excuse-moi. Ah, je pensais que tu tournais là, tu disais non. Non. Il n'a pas dit qu'il avait un rythme supérieur, il a dit qu'ils avaient le même rythme. Et que ouais, lui, mais par contre, qu'il était plus agile dans ces conditions. Oui, non, mais après, bon, là, on parlait ouais, de quand il tient la piste à sécher et sur, oui, quand oui. il se remettre à rouler normalement, on va dire. Oui, oui, bien sûr, effectivement. C'est vrai qu'il y a deux phases de course. Effectivement, quand il est en course, quand il pleut et tout ça, effectivement, clairement, il était plus fort. Marquez, ça, il le reconnaît très volontiers, Bagnaia. Mais après, effectivement, ils avaient le même rythme. Mais après, oui, clairement, Bagnaia, il a compris qu'il fallait pas qu'il commette une erreur deux fois et que c'était l'occasion. Et je pense même que d'un coin de l'œil, il a vu Martin ressortir de la pit lane pour la deuxième fois en se disant, bah, c'est bon, je lui ai mis un tour. Donc, je pense qu'il a dit, à partir de ce moment-là, il faut que j'assure le coup et que je reprenne le maximum de points. En fait, Bagnaia a dit en conférence de presse que dès qu'il a vu Martin rentrer, il a su qu'il marquerait zéro point parce qu'il savait qu'il n'allait pas pleuvoir. Là aussi, on ne va pas parler de Martin maintenant, mais clairement, il y avait de mauvaises informations ou pas d'informations. On sait que toutes les équipes aujourd'hui ont des applications météo quand même extrêmement précises. Il y a un aéroport pas très loin du circuit, donc ils avaient au niveau des radars, ils savaient que la pluie n'allait pas tomber. Donc là, Bagnaia a dit quand il a vu Martin rentrer, il savait que voilà, c'était une grossière erreur, qu'il ne marquerait pas de points. Et donc à partir de là, voilà, il y a cet enjeu du championnat. Il fallait qu'il reprenne des points après s'être fait battre au sprint, comme tu l'as dit, et puis après ce qui s'est passé à Aragon aussi la semaine dernière. Ouais, donc pour en terminer avec Marquez pour enchaîner sur Bagnaia, hein, c'est un petit peu ce qu'on a fait puisque l'un et l'autre sont directement liés. Marc Marquez, deux victoires cette année, cette fin de saison qui en plus maintenant va rentrer dans… Alors on va revenir dans 15 jours, dans deux semaines pardon, à Misano hein, puisque ça sera le Grand Prix d'Émilie-Romagne pour remplacer le Kazakhstan. Ça risque d'être encore un peu chaud entre les trois. Mais c'est surtout sur la fin de saison que je voudrais qu'on se projette maintenant, Marquez, où les courses vont s'enchaîner sur les déplacements overseas, comme on les appelle. Est-ce que là aussi, il est capable de créer la surprise et d'aller encore plus loin et d'aller chercher d'autres victoires, selon toi, Michel ? Eric, si on s'en tient à ce qu'on a vu sur ces deux Grands Prix, en Aragon et à Saint-Marin, on peut effectivement penser qu'il profite encore de conditions un peu spéciales. On va avoir trois courses en Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, où on peut avoir de la pluie, des orages, des conditions changeantes, ce qu'il adore. On va avoir Phillip Island, où là, on peut aussi avoir de la pluie et des conditions périlleuses, où là encore, il sera à l'aise. Ça tourne à gauche en plus, Phillip Island. Et puis, on a le dernier Grand Prix à Valence, mi-novembre, où on peut là encore avoir une météo compliqué. Donc, on rentre dans une période de l'année où, où il va falloir s'adapter. Et on sait qu'en termes d'adaptation, Marquez est peut-être plus fort que les deux autres. Donc, tout est ouvert, ça c'est sûr. Alors, on en parlait puisque les deux sont intimement liés. On va parler un petit peu plus précisément de Pecco Bagnaia. Je le disais tout à l'heure,
un moment, il s'est rendu à l'évidence, on l'a aussi un petit peu abordé avec Thomas, cette deuxième position, sachant qu'il avait vu Martine rentrer au stand, c'est comptablement, c'est la bonne opération, mais j'ai quand même l'impression qu'à l'arrivée, il a pris quand même une petite claque, Bagnaia, parce que hier, il pensait s'imposer en course sprint. Après avoir fait la pole, on sentait quand même qu'il avait pris un peu confiance. Finalement, il prend une grande claque, c'est Martine qui s'impose. Et aujourd'hui, finalement, avec ces conditions un peu... Aujourd'hui, dimanche, pardon, avec ces conditions un peu difficiles, c'est Marquez qui monte sur la plus haute marche. C'est à la fois aigre-doux, on va dire, comme sentiment, j'imagine. Comment il était dans le paddock dimanche soir, Bagnaia, Michel? Bah, on l'a vu à l'arrivée, hein. Il faisait un peu le nez, quoi. Ouais. Même si il a essayé de se dire il faut que je sois content parce que j'ai repris des points à Martine. Tu l'as dit, il est battu par ses deux adversaires le samedi et le dimanche. Alors le samedi, son plus gros regret en fait, c'est plutôt pour le samedi, parce que samedi il sait qu'il avait le rythme pour battre Martine, mais il est mal parti. Martine, lui qui était derrière lui, est très bien parti en revanche. Donc là, il y a un regret par rapport au sprint. Il a reconnu franchement, Marquez était plus fort aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il est chez lui, devant son public. Même si c'est un Piémonté, il vit à Pesaro, il s'entraîne à Tavuglia à côté tous les jours de la semaine. Donc forcément, il y avait beaucoup de ses supporters et il était déçu. Et d'ailleurs, il n'a qu'un truc en tête, c'est de les battre la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, quand on va revenir ici. Et d'ailleurs, il va falloir qu'il fasse attention de ne pas en faire trop pour vouloir à tout prix gagner à Misano, parce que ça pourrait lui coûter cher, en revanche. Alors, Thomas, on enchaîne direct. En plus, c'est du back-to-back. Hein. On enchaîne après ces trois grands prix qui se suivent. Donc oui, effectivement, une erreur. Faut pas se mettre dans des dispositions mentales, notamment dans la course au titre, qui pourrait lui porter préjudice par la suite, quoi. Alors, Thomas, je voulais revenir vers toi parce que Bagnaia, c'est le porte-étendard de la VR46. Hein. On le sait bien. Et puis quelque part, j'allais dire. On n'a pas abordé ce sujet avec Marquez, mais on peut aussi l'aborder avec Bagnaia, qui représente la VR46, comme je viens de le dire. C'est aussi un bon petit pavé dans la mare de Valentino Rossi, parce que Marquez, à Misano, il était attendu, surtout après ce qui s'était passé. Enfin, les frères Marquez étaient attendus, surtout après ce qui s'était passé à Aragon. Et là, cette victoire, quelque part, ça a dû un petit peu grincer des dents du côté de la VR46, alors que Thomas, je crois que c'est un fait exceptionnel. On avait une première ligne suite à la séance de qualification, totalement VR46. Ouais, écoute, c'était arrivé l'année dernière à Assen, mais là il y avait Marini, il n'y avait pas Morbidelli et Bezzecchi. Et du coup, oui, effectivement, c'est assez rare. Mais après, Michel, je sais que tu as été regardé, tu as été écouté voir si Marquez avait été sifflé, mais moi j'ai pas eu le sentiment justement que Marquez, même s'il a gagné ce week-end, ait été sifflé. Je pense qu'il a. C'est plus comme ce qu'il y a eu quelques années. Il y a eu quelques années quand il y a eu cette vague. C'est différent là aujourd'hui, si tu veux. Le Marquez est vu différemment en tout cas à Misano, sur les terres de Rossi. Donc c'était un peu, c'était étonnant, et je pense que ça faisait un peu plaisir. Donc moi j'ai pas entendu sifflement. Bien sûr, t'en as encore quelques-uns, mais pas aussi important que par le passé. Michel, tu veux rajouter? Ouais, non, clairement Marquez a beaucoup moins de haters, comme on dit en Italie, qu'il n'en a eu. Il a aussi été malin. Il portait les couleurs, on l'a dit, de Fausto Grisini, dans le jardin de l'équipe de Faenza, qui a longtemps eu ses ateliers à côté du circuit. Il a dédié cette victoire à son équipe. On voit aussi la communion qu'il y a avec la veuve de Fausto. Enfin, à l'arrivée, donc il partage. Je pense que la vision que les Italiens peuvent avoir de Marquez est très différente de celle du passé avec l'histoire de Rossi. Et puis c'est vrai que Rossi, ça, l'histoire de Rossi, elle est belle, elle est grande, mais aujourd'hui c'est l'histoire ancienne. Et même on a même vu et entendu Bagnaia s'en détacher un petit peu ces derniers jours quand certains journalistes ont évoqué avec lui les commentaires de Rossi sur le choix de Marquez à ses côtés. Il a fait comprendre qu'il voulait pas du tout rentrer dans une guerre avec Marquez, je pense que c'est une forme d'intelligence, parce que, et d'ailleurs quelque part, il a tout à gagner. Il sait que l'année prochaine il va avoir à côté de lui le meilleur pilote de ces dernières décennies, et si jamais, enfin s'il va tout faire pour, s'il le bat, sa légende sera encore plus grande. On sait que c'est un pilote qui manque un petit peu de crédibilité, c'est pas le mot, mais un peu d'aura.
Il est un peu lisse pour beaucoup parce que c'est un, voilà, c'est un garçon gentil qui évite les polémiques. S'il bat Marquez l'année prochaine à ses côtés, voilà, il sera un plus grand champion qu'il ne l'est déjà aujourd'hui. Donc tout ça, voilà, les choses elles changent et je pense que puis il y a aussi ce que Marquez a montré, ce retour, la souffrance, voilà, cette résurrection. Ouais. Je pense qu'on ne peut avoir que du respect pour ses efforts et ce qu'il montre, et ce qu'il montre encore aujourd'hui. Voilà, c'est un grand pilote qui prend des risques et qui fait le spectacle. Ouais, c'est exactement ça. Il faut respecter effectivement ce qu'a fait Marc Marquez. Et d'ailleurs, pour corroborer tes propos, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Thomas, mais c'est vrai que Bagnaia, dès jeudi, dès les conférences de presse qui sont organisées le jeudi, il a tout de suite voulu aplanir le problème Alex Marquez et lui-même en disant qu'il avait eu des mots un peu trop durs sur le coup de l'émotion, etc. C'est le genre de phrase qu'on n'aurait pas vu au temps de Valentino Rossi, Thomas. T'es d'accord avec moi? Tu peux ne pas être d'accord. Oui, après, ça dépend de l'adversaire. Encore une fois, là, on parle d'Alex Marquez, si tu veux. Ce n'est pas quelqu'un qui voit comme une menace pour le titre. Donc, je ne sais pas si ça avait été Martin, s'il aurait dit exactement la même chose. Mais oui, effectivement, de toute façon, on sait, Michel le disait tout à l'heure, Pecco est un pilote très intelligent. Il sait comment parler. Donc, après, effectivement, on peut entendre après Aragon, c'est à travers ses propos, qu'il ait une frustration, voilà. Mais à l'inverse, si tu veux, Marquez a eu des mots un peu, Alex a eu des mots un peu plus durs en disant, moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça en tant que pilote. Voilà, j'aime pas que c'est un peu mon intégrité de pilote. Et si tu veux, il a pas. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais en gros, ça reste des pilotes, si tu veux. Donc, oui, il y a un égo toujours. C'est un peu logique. Enfin, le discours d'Alex Marquez, il est logique. Il a été accusé d'avoir percuté délibérément. Alors, on peut reprocher l'erreur à Alex Marquez. Dire qu'il était trop ambitieux, qu'il aurait dû faire plus attention, mais aller l'accuser de l'avoir percuté délibérément, forcément, comme il l'a dit, c'est bien qu'il s'excuse, mais le mal est fait. Parce qu'on sait aujourd'hui que tout va tellement vite avec sur les réseaux que voilà, il s'est fait, évidemment, il s'est fait incendier Alex Marquez et c'était pas bien, quoi. Donc, je pense que Pecco a été intelligent aussi de calmer pas rajouter de l'huile sur le feu. Voilà, exactement. De calmer le jeu. Alors, Pecco Bagnaia, bien, du coup, il fait la bonne opération et il marque 20 points parce que son adversaire direct au championnat, qui était bien, bien installé aux commandes après la course sprint de samedi, eh bien, Jorge Martin, on peut le dire, clairement, je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs, il a commis l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Alors, il n'est pas parti à la faute, bien évidemment, mais cette erreur de rentrer au stand, on l'a un petit peu évoqué en début de débrief, elle lui coûte des gros points. Est-ce qu'elle lui coûtera le titre? C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais clairement, il s'est marché dessus, Jorge Martin, Michel. Ah, il s'est trompé. Il a dit, il s'en est rendu compte dès qu'il est ressorti des stands avec cette pluie, en voyant que ça n'allait pas le faire, qu'il n'allait pas pleuvoir suffisamment pour désexploiter ses pneus et que même la piste allait sécher. Donc là, son erreur, je l'évoquais à demi-mot un peu plus tôt, c'est que son équipe n'a pas suffisamment, je pense, planché sur les prévisions dans l'heure qui allait suivre le départ. Et lui, il aurait dû suivre, il n'était pas en tête. Oui. Si Bagnaia était rentré, ça aurait été une erreur compréhensible. Mais lui, il est derrière, il doit se dire, c'est mon adversaire direct au championnat, il ne rentre pas, je le suis. S'il ralentit, je ralentis. S'il s'arrête, je m'arrête. Mais là, prendre le risque de se dire, mais je m'arrête, c'était le mauvais pari. Après, ça n'enlève rien au fait qu'il a fait une course exceptionnelle en sprint, qu'il était encore hyper performant et que dans 15 jours, si les conditions sont bonnes, il sera là pour jouer la victoire. Oui, et puis dans Paris... Ça me fait penser à la stratégie de Marquez, Michel, je ne sais pas si tu te souviens, à Brno, quand il s'était mis un petit peu à pleuvoir, où Marquez avait ralenti délibérément pour ne pas se faire doubler un peu par tout le monde, laisser passer ses adversaires pour le titre, et du coup, lui s'arrêter et éviter que tout le monde suive son scénario. J'étais à Brno il y a quelques années, 2016 ou 2017, je me souviens de cet épisode qui était intéressant parce que c'est exactement le même scénario, c'est que lui savait qu'il allait être copié et justement en perdant du temps délibérément, personne n'a suivi et c'est lui qui a fait le bon pari. Ouais, après c'est toujours pareil dans ces situations-là, vous rentrez le premier, il se met à pleuvoir, la pluie redouble d'intensité, vous êtes le héros,
Là, malheureusement, ça n'a pas tenu. Il fait l'erreur, il fait la boulette du week-end. Par contre, je pense que, moi, je suis d'accord avec toi, Michel. Je pense que l'erreur, on peut dire qu'elle est presque partagée, parce que son équipe, si elle lui dit au départ, normalement, il va pas pleuvoir. Surtout qu'on a eu des commentaires de pilotes. Fabio Quartararo a confié au micro de nos confrères de Canal+ que globalement, il devrait pas pleuvoir, ou en tout cas, ça devrait pas être très inquiétant. Johann Zarco, pareil, avait dit oui, il risque d'y avoir un petit peu de pluie, mais pas tant que ça. Je pense que ça va peut-être perturber un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, l'info, elle était quand même à la connaissance de tout le monde. Je pense que c'est là où il y a eu peut-être des torts partagés, je dirais, entre Martin et son équipe, non ? Martin dit que c'est entièrement de sa faute. Hein. Ouais, ouais. Clairement, il le dit. Hein. Oui, il n'accuse pas son équipe. Mais enfin, il dit aussi que c'est un sujet qu'ils n'ont pas évoqué avec l'équipe et que c'est une erreur. D'autant plus, Eric, c'est que la piste, il faisait très chaud. Il a plu, mais il faisait très chaud. La piste est à 36 degrés, donc les quelques gouttes qui sont tombées, elles ont très rapidement séché. Ça doit d'ailleurs... On l'a vu avec les chronos qui ont été réalisés. Donc, ça a permis ce petit regroupement et ça a fait les affaires de Marquez qui a doublé tout le monde. Mais après, ça a vite séché, même si, effectivement, après, le grip, quand il a fait quelques gouttes, ça peut rester aléatoire pendant un bon moment. Mais tout ça, c'est des choses qu'a pas pris en compte Martin. Et voilà, il a payé cash. J'ai juste une question, peut-être Thomas, plus vers toi au niveau règlement, parce qu'on la voit cette image, quand Martin il s'engage dans la voie des stands, il regarde vers la piste et il comprend qu'il n'y a que lui qui va s'arrêter. Est-ce que lorsqu'il s'engage comme ça, quand on est sur une course flag to flag, est-ce qu'il s'engage dans la voie des stands, il est obligé de s'arrêter et de changer de moto, ou alors est-ce que, peut-être en se rendant compte de son erreur, il aurait pu simplement traverser la voie des stands et ressortir pour perdre moins de temps? Ou est-ce qu'il était vraiment obligé par règlement de changer de machine? Tu me poses une colle parce que le règlement change tout le temps. On peut imaginer que ça avait peut-être changé et que je n'ai pas vérifié. Mais non, en théorie, tu es obligé de t'arrêter et tu es obligé de changer de moto. C'est comme ça que le règlement l'impose. C'est le flag to flag jusqu'à... en tout cas, Michel, je pense que tu peux confirmer. Mais ça a toujours été comme ça, je pense. Moi, je pense que tu peux traverser la ligne droite des stands sans changer de moto. Ben, en revanche, si tu changes de moto, il faut que tu repartes avec une moto qui a une autre monte pneumatique. Oui, tu peux pas t'arrêter pour repartir avec des pneus. C'est peut-être ça la nuance, effectivement. C'est que si tu ne peux pas repartir avec la même moto, faire des réglages sur la moto et repartir avec la même, tu es obligé de changer avec une configuration différente. Je vois pas ce qui t'empêche de repartir, puisqu'on a déjà vu des pilotes s'arrêter pour un problème technique et repartir pour la course en espérant marquer des points. Donc, il aurait effectivement pu repartir, juste traverser. Mais il a dit, il a réalisé son erreur en ressortant. Donc en ressortant avec la moto qui était en pneu pluie. Ouais. S'il avait compris en s'engageant, en se disant voilà, je suis. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à s'arrêter. Hein, on parle de lui, mais il y a eu plusieurs pilotes derrière qui se sont arrêtés aussi. Oui, il y a Rins notamment qui s'est arrêté. Hein. Ouais, il y a Espargaro. Ils sont plusieurs. Là, j'ai plus de mémoire des pilotes qui jouaient pas le podium, mais il n'a pas été le seul. C'est le premier qui est rentré. Ouais. Donc maintenant, du coup, au championnat, il n'y a plus que 7 points. Hein. L'écart est vraiment réduit à peau de chagrin. Donc ça nous promet un rendez-vous de Misano. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Michel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce prochain rendez-vous de Misano, sachant que d'un côté, Bagnaia, il y a de la frustration de finalement ne pas s'être imposé sur cette erreur, et Martin, cette frustration d'avoir fait cette erreur. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à quelque chose d'assez explosif d'ici une semaine et demie? Ce qui est sûr, c'est que tout le monde va être prêt à en découdre. Le choix des pneus, voilà, tout le monde sait qu'il va falloir partir sur le sprint, on va partir avec le médium à l'avant, le soft à l'arrière, et sur le Grand Prix, en revanche, bon, c'était partagé cet après-midi. Hein, il y a Bastianini a roulé en soft, et Marquez et Bagnaia étaient en médium derrière. Donc, je pense que chacun, tous les pilotes vont avoir des réglages optimaux, on va dire, à moins que la piste change, ce qui n'est pas impossible. On sait qu'aussi lundi il y a des tests, donc ça va être aussi une autre possibilité d'encore travailler sur la mise au point, même si ces tests sont tout destinés à essayer des évolutions qui sont pas forcément utilisées pour la prochaine course. Mais on sait aussi que voilà, Misano c'est un circuit où d'une semaine à l'autre le grip peut varier parce que ça c'est une hypothèse avancée du côté de chez Michelin. On sait qu'il y a un aéroport à Rimini et que un peu comme on avait à Donington. Un peu Donington, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y avait toujours des hypothèses d'hydrocarbures qui se déposeraient sur la piste dans le couloir des avions.
Enfin, voilà, il s'avère que de temps en temps, à Misano, d'une semaine à l'autre, les conditions sont différentes. Donc, si en revanche, elles sont stables et qu'elles ressemblent à ce qu'on a eu ce week-end, que la météo aussi est identique, parce que là, c'est pareil, on rentre au mois de septembre, là, on a eu de la chaleur, des orages. Dans 15 jours, la température peut fraîchir, on peut avoir du beau temps comme de la pluie. Donc, voilà, c'est... Mais bon, c'est sûr que Bagnaia veut gagner, que Martin veut sa revanche et que Marquez est en pleine bourre. Donc, je pense que ça va faire du spectacle. Et puis, il y a aussi les autres qui veulent... Ouais. Qui veulent se montrer. Donc, et ben on va y venir justement aux autres, Michel, parce que ce week-end, il y a quand même un autre pilote parmi tous les pilotes italiens qui était attendu. Hein. On va faire un petit peu un tir groupé, on va parler des Italiens. Mais en priorité, je voudrais qu'on parle de Franco Morbidelli, parce que Franco Morbidelli, il a quand même été assez impressionnant. Alors certes, il est tombé dimanche pendant la course, mais entre sa qualif et sa course sprint, c'est la première fois, je crois, qu'il monte sur un podium de course sprint. Thomas, tu vas me reprendre si je dis une erreur. Il se rappelle au bon souvenir de certains. Et moi, je suis assez content finalement parce qu'on l'a beaucoup enfoncé, Morbidelli, en disant qu'il ne méritait pas la Ducati, laissé libre par Johann Zarco, etc. Mais finalement, beaucoup ont oublié, que son début de saison avait été compliqué avec sa chute, avec sa blessure assez grave. Et finalement, il revient au bon moment. Et finalement, on peut se projeter peut-être d'une certaine façon positivement pour la saison prochaine parce qu'il disposera de la GP 2024. Thomas ? Non, je laisse la main à Michel parce que moi, je suis pas allé voir Franky Morbidelli pour savoir ce qui s'était passé en course. Mais je pense qu'il s'est fait piéger par la pluie, en tout cas les premières gouttes de pluie, et qu'il a été le premier à payer le prix fort. Mais je ne sais pas si Michel, tu as été le voir, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, par contre, moi, ce que j'aurais bien voulu avoir, c'est votre retour sur justement ce côté. Bah, il revient au devant de la scène et par rapport à tout ce qui s'est passé en amont. On a parlé alors dans une autre dimension du retour de Marquez au premier plan, mais Morbidelli, je trouve qu'à un degré moindre, bien évidemment, mais c'est bien ce qui se passe pour lui. Enfin, ça demande confirmation, bien évidemment, mais je trouve que l'histoire est belle aussi. Oui, Morbidelli, mais surtout, il revient encore même de beaucoup plus loin, parce qu'après, le passage chez Yamaha, ça a été aussi compliqué, avec forcément une moto qui est un petit peu en dessous, même beaucoup en dessous des autres constructeurs, en tout cas européens. Et surtout, lui, il s'était blessé aussi au genou, donc il a mis du temps aussi à revenir, à retrouver son niveau qu'il avait avant cette blessure au genou. Donc, si tu veux, le renouveau qu'il a chez Ducati, bah là, effectivement, il n'a pas fait les tests de pré-saison parce qu'il s'était blessé. Enfin, en tout cas, il a fait une grosse chute dans laquelle il a perdu connaissance, il a perdu des facultés qui lui... Enfin, voilà, il a mis du temps à s'en remettre, hein, ouais. Surtout sur le plan cognitif, j'entends. Mais surtout, après, il progresse comme ce qu'il aurait dû progresser un peu plus tôt dans l'année, en découvrant la GP24, une Ducati qui est différente d'une Yamaha, et en ayant justement cette GP24 qui est la moto de l'année en cours. Donc, en gros, si tu veux, moi, c'était la suite logique d'un pilote qui a été vice-champion du monde et qui, aujourd'hui, dispose d'une Ducati. Donc, ça ne m'étonne pas, surtout à Misano, qui est son terrain de jeu, comme un peu au même titre que Bezzecchi, Marini ou autre, qu'il fasse de belles performances. Donc, personnellement, je suis ravi de le voir ici et c'est vrai que c'est bien de retrouver Morbidelli un peu aux avant-postes. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça demande confirmation. Alors, on verra le week-end, enfin, pas le week-end prochain, mais lors du prochain Grand Prix ici même à Misano. Toi, Michel, t'en penses quoi de Franco Morbidelli? C'est c'est à l'instant T parce qu'on est à Misano, comme vient de le souligner Thomas, parce que c'est leur jardin à tous ces pilotes de la VR46, ou au contraire, il a compris et là, il est en train de monter en puissance? Je pense qu'il y a un peu des deux. Après, moi, je t'avoue que je suis un peu sceptique sur savoir jusqu'où il peut aller. Morbidelli, il a été effectivement vice-champion du monde, mais voilà, dans les années Covid. Mais depuis, alors c'est vrai qu'il a été blessé, donc on ne va pas l'accabler, mais je trouve un petit peu décevant dans son engagement aussi. Après, voilà, c'est vrai aussi que c'est un pilote qui est hyper cool. Son côté un peu pas péjoratif ce que je vais dire, mais de l'approche un peu brésilienne, un peu relax, voilà, dans je vais pas dire dilettante, mais en tout cas ce qui dégage, c'est le mec cool, quoi. Donc c'est vrai qu'il donne jamais l'impression d'être à fond comme d'autres qui répètent sans arrêt je vais y arriver, je vais gagner, je vais tout faire pour, je m'en travaille tous les jours, voilà. Il est un peu plus cool Franky, et donc c'est difficile de dire
Est-ce qu'il peut devenir vraiment un pilote régulier aux avant-postes avec une Ducati? Je sais pas. Je donne ma langue au chat, Eric. On va attendre. On va attendre les prochaines courses et on verra déjà, comme je le disais, lors du prochain Grand Prix qui sera toujours disputé à Misano dans le cadre du Grand Prix d'Émilie-Romagne, pour voir ce que ça donne et si ça se confirme. Juste un petit mot aussi sur la course, parce que il y a eu cet accrochage aussi avec Pedro Acosta. Hein, ça a failli déjà partir en vrille dès les premiers tours de roue entre Morbidelli et Acosta. On n'est pas passé loin de la catastrophe non plus. Et Acosta qui finit encore une fois par terre. Un petit contact. Acosta, après sa belle performance d'Aragon, il était un peu chaud bouillant. Il a été super aux essais, super en sprint. Et là, cet accrochage, il perd un aileron. Et puis après, c'est dans le bac à gravier. Mais il veut performer sur la fin de saison. Il a dit, il est revenu à une moto avec des réglages, la base qu'il avait en début d'année. Il a dit, je me remets dans ma peau de rookie, je suis pas là pour faire du développement, faire des essais de châssis, de moteur ou de géométrie. Moi, je suis là, c'est ma première saison, laissez-moi découvrir chaque circuit avec ma moto et je vais essayer de faire des résultats. Donc, je pense qu'il s'est remis dans le logiciel du début d'année donc pour essayer de briller. Et s'il finit pas les courses, c'est moins grave que pour d'autres. Alors, on va continuer de débriefer aussi sur les performances des Italiens en parlant maintenant du coéquipier de Bagnaia, Bastianini. Bastianini aussi, il a fait un week-end solide. Peut-être qu'on l'attendait un peu trop, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'il avait montré sur les Grands Prix précédents. Ici, à Misano, on se rappelle qu'il avait été très performant dans les années précédentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement, Bastianini, on attendait peut-être un petit peu trop de lui par rapport à ce qu'il était en mesure de fournir ? Thomas, commence Thomas. Non, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, il fait le job. Alors effectivement, il ne gagne pas, mais il finit sur le podium de la course. Il a fait 4 courses en MotoGP à Misano, 4 fois sur le podium. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Même si effectivement, il est un petit peu plus distancé maintenant dans la course au titre par rapport à ce que pourrait l'être. Quand je dis distancé, en fait, ils étaient à égalité avec Marquez après le sprint. Donc forcément, là, maintenant, il se retrouve quatrième. Il n'est plus ex aequo en termes de points qu'il l'était au sprint hier soir. Ouais, il y a 9 points d'écart, hein, c'est pas non plus dramatique. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas la mort. Non, bien sûr. Mais effectivement, il fait le job et je pense ne pas me tromper. Je pense qu'il a terminé toutes ses courses parmi les 5 premiers depuis le début de la saison. Et surtout, à l'exception du Grand Prix de Catalogne, vous vous souvenez, où il a été pénalisé et qu'il n'a pas voulu s'arrêter et qu'il a fini super loin. Mais sinon, il a toujours fini dans les 5 premiers. Donc, ça reste un pilote très régulier et qui peut, s'il continue comme ça, on sait qu'en Malaisie, c'est son terrain de jeu aussi. Mais Misano, on peut très bien imaginer un coup d'éclat la semaine prochaine. Donc, faut pas l'exclure. Donc, effectivement, il n'est pas là, il n'est pas aussi explosif ou aussi visible que les autres, mais clairement, il est là. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas l'écarter. D'ailleurs, Martin l'a dit tout à l'heure dans son débrief. Effectivement, si Marquez est mathématiquement toujours dans la course au titre, il l'est toujours, Bastianini aussi. Donc, il faut faire attention à lui. Oui, et puis c'est vrai, je pense que Michel, tu confirmeras, c'est vrai que quand on parle de Marquez, Bagnaia, Martin, c'est vrai que ces trois-là, ils pèsent un petit peu et que c'est difficile aussi pour les autres d'exister, même comme tu viens de l'expliquer, Thomas, si on est très performant, puisque finalement, quand on regarde le classement au championnat, il est qu'à 9 points de Marquez. Hein. Michel. Exactement. Ah ouais, de toute façon, Martin a 312 points et Bastianini 250. Et après, le cinquième, c'est Binder. Il a 90 points de moins que Bastianini. Donc, il y a clairement quatre pilotes aujourd'hui. Il y a un truc qui est intéressant, Michel. Si tu regardes le classement, je pense que Binder, qui est le premier pilote non Ducati du classement, il a presque la moitié des points de Martin au championnat. Donc, c'est quand même là, on voit clairement qu'on est sur quelque chose de une course au titre à 4. Ouais, c'est clairement ça. Bon, puis pour terminer sur le chapitre des pilotes italiens à Misano, évidemment, c'est l'équipe de Valentino Rossi, la VR46. Bezzecchi avait fait naître l'espoir d'un beau week-end avec cette belle performance en Q2. Et puis finalement, ça s'est un petit peu étiolé. Comment on était du côté de la VR46 au soir de ce Grand Prix, Michel? C'était soupe à la grimace quand même, ou l'un dans l'autre, on essayait de trouver des points positifs? Écoute, j'ai pas été traîné du côté des jeunes, donc je pourrais pas répondre à ta question, mais j'imagine que on n'était pas très joyeux. Bezzecchi, c'est quand même une déception cette année.
Bon, Di Gian Antonio, est blessé une épaule. Donc voilà, ça n'a pas été un grand week-end à domicile. On sait que l'année prochaine, il y a aussi des changements. Bézé qui s'en va. Je crois que David Munoz va partir aussi. Jacques Roca qui s'en va aussi chez Honda. Enfin, il y a plusieurs personnes clés de cette équipe qui filent ailleurs. Donc, voilà. Je pense qu'ils ont connu des moments meilleurs et on verra ce qu'ils font l'année prochaine. Eh ben, séance de rattrapage, on dira, dans une semaine et demie, hein, pour la VR46. C'est clairement l'objectif pour les pilotes du team de Valentino Rossi. On va changer de chapitre maintenant et puis on va s'intéresser tout simplement à nos pilotes français avec un week-end, j'allais dire, solide, que ce soit surtout pour Fabio. Alors là, il faudra qu'on m'explique un peu parce que d'un week-end à l'autre, c'est complètement différent. Fabio avait dit qu'il avait testé à Misano. Ce qu'il avait testé, ce n'était pas exceptionnel et qu'il fallait faire avec, notamment à Aragon. Alors c'est vrai que c'est deux circuits totalement différents. Mais là, finalement, il fait une Q2 en direct. Il fait une bonne course sprint, un très bon Grand Prix. Il termine dans le top 10. Et puis, d'un autre côté, Johann Zarco qui eh bien, marque des points. Lui aussi, qui a profité un petit peu des intempéries pour aller chercher les points de la 12e place. On va commencer par Fabio. Michel, comment tu l'as senti ce week-end? On avait l'impression, malgré tout, qu'entre ce qui est déclaré et ce qui se passait sur la piste, il y avait un petit peu de dissonance. Écoute, moi, je vais retenir les derniers mots qu'il m'a dit quand je l'ai vu après la course. C'est ça fait quand même du bien de se battre avec un pilote qui la semaine dernière jouait le podium, en l'occurrence avec Marquez. Donc voilà, c'était la note positive, c'est d'avoir retrouvé un peu de s'être retrouvé au milieu des autres, de s'être bagarré. Après, les problèmes restent les mêmes. La différence d'Aragon, c'est que Misano, il y a beaucoup de grippe, donc ça peut aider une moto qui en manque. Mais voilà, après on sait aussi que Fabio il adore Misano. On se souvient qu'en 2019 il s'est battu avec Marquez quand c'était ses débuts en MotoGP. Il avait fait un podium, si je dis pas de bêtises, Thomas. Et puis la Yam, voilà, c'est plutôt un tracé où elle est peut-être un peu moins mal qu'elle peut être ailleurs. Donc, mais pas de révolution, pas de voilà. Ils utilisent un nouveau châssis. Depuis Aragon, mais il n'y a pas, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de gros step à attendre, et a priori, il n'y avait pas grand-chose non plus à tester au lendemain de cette course à Misano. Donc, Fabio continue à ronger son frein, mais c'est vrai que ça fait du bien de le voir dans le top 10, on va dire. Après, on se rappelle aussi que Misano, c'est le circuit où il a été sacré champion du monde. Donc, des fois, ça peut aussi aider à se surmotiver. Par contre, moi, ce que j'ai... je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais j'ai trouvé bizarre cette communication quand même du responsable du développement de dire que, de toute façon, il faudra être très patient. Ça ne sera pas avant la fin de la saison prochaine. Mario Merigali en a remis une couche là à Misano. Je trouve que c'est un peu surprenant cet axe de communication. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te demande ton avis en premier. Écoute, Eric, on en parlait déjà la semaine dernière. Hein. Tu te souviens quand Max Bertolini s'est exprimé au micro de Canal Plus en disant effectivement qu'il fallait attendre plutôt 2025 pour avoir des évolutions. Écoute, oui, de toute façon, on le sait que le retard que Yamaha et Honda a pris, si on les met les deux dans le même panier, ça va être long à combler. Et surtout qu'avec le nouveau règlement qu'il y a derrière, ils vont aussi devoir développer une nouvelle moto en même temps. Parce que 2027, ça arrive très vite. Donc, ça va être compliqué, ça c'est sûr. Et comme disait Michel justement la semaine dernière, c'est difficile de se montrer optimiste pour les progrès que Yamaha va faire ces prochaines années. Donc forcément, on a envie d'y croire parce que c'est Fabio qui va rouler dessus, notamment. Mais voilà, avec la signature d'Oliveira, la confirmation d'Oliveira, on sait qu'on a au moins déjà, on aura déjà deux motos de plus l'année prochaine. Donc c'est bien, on verra bien. On verra bien. C'est compliqué. Michel, ton avis là-dessus, parce que moi, sincèrement, j'ai du mal à comprendre. En plus, Merigali qui en remet une couche ce week-end, alors que de son côté, bon, c'est peut-être aussi son jeu à Fabio de mettre un peu la pression sur son équipe. Clairement, Fabio, il avait l'air de découvrir un petit peu tout ça. De toute façon, moi, on ne m'a pas vendu ça comme projet. Et le fait de réinsister sur ce Grand Prix de Misano, qu'est-ce que tu en penses, toi, Michel? Je pense qu'ils sont réalistes.
nourrir de faux espoirs, enfin voilà, faire croire à des choses qui ne vont pas avoir lieu. Donc, ils sont dans une réalité. Si ça se passe plus vite, ça serait une bonne surprise. Et si ça ne se passe pas plus vite, on ne les accusera pas d'avoir raconté la messe, quoi. Mmh. Ouais. Effectivement, vu comme ça, effectivement, c'est raisonnable. Johan Zarco, 12e dimanche pour le Grand Prix, un peu plus compliqué en course sprint. Qu'est-ce qui vous a confié, satisfait malgré tout d'aller chercher les points de cette 12e place, Michel? Plutôt déçu de d'avoir une moto qui évolue pas, quoi. Qui a un problème à l'arrière de cette moto. Elle tourne pas, elle accélère pas en sortie de virage. Il est plutôt dans le voilà. Après, oui, c'est toujours bien de marquer des points. D'autant que, il y avait trois représentants avec Bradle. Et d'ailleurs, les trois Honda qui étaient en piste ont terminé. On en a pas parlé, mais on a eu Mir qui a loupé le week-end parce qu'il était malade. Et Marini n'a pas roulé dimanche parce que lui aussi malade. Donc voilà. Priori, une gastro-entérite pour les deux. D'autres pilotes ont été aussi souffrants, donc il y a peut-être une petite épidémie dans le paddock. Mais donc voilà, pour en revenir à Johan, on a un peu du mal à trouver des choses nouvelles à raconter chez le débrief, Eric. Ouais, non, mais c'est sûr. On se réjouit, effectivement, c'est ça le contraste, c'est qu'on se réjouit quand ils marquent des points, nos pilotes français, nos pilotes tricolores, alors que logiquement, ils ont les capacités de jouer bien plus haut, évidemment. Thomas, si on devait faire un parallèle entre Yamaha et Honda, à ton avis, qu'est-ce que tu penses, toi? Qui est, entre guillemets, le moins pire des deux? Ou est-ce que finalement, les deux sont, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, à mettre dans le même sac et aucun des deux ne progresse réellement? C'est une question compliquée. Là, c'est complètement deux choses différentes. Là, on voit que déjà ce week-end, il devait y avoir Cal Crutchlow qui devait rouler en tant que wildcard pour Yamaha. Il n'y a pas eu une troisième Yamaha sur la grille. Donc, déjà, forcément, ça fait quelques données en moins. Il n'y aura pas de pilote d'essai, sauf erreur demain. Mm-hmm. Si tu veux, ça fait forcément des données en moins. Encore une fois, le développement de la Yamaha est beaucoup moins rapide, on peut le dire. En tout cas, sur le papier, si tu veux, on pourrait bien imaginer que le développement est moins rapide. Du côté de chez Honda, comme disait Michel, la moto bouge pas. En fait, Yamaha teste des choses, mais chez Honda, la moto bouge peu ou pas. Et Zarco le disait il y a quelques semaines, même, je crois déjà au Grand Prix de Catalogne, il faut un nouveau projet aujourd'hui pour que la Honda puisse évoluer. Et c'est ça qu'aujourd'hui les pilotes Honda attendent. T'as pas l'air trop d'accord, Michel. Je te voyais deux lignes. Non, on peut pas dire que la moto bouge pas, Thomas, parce qu'ils ont beaucoup de choses nouvelles à essayer tout le temps, mais oui. Elle évolue pas. Enfin, tout ce qu'ils essayent ne ça progresse pas. C'est ça en fait. C'est pas des révolutions. Lui, ils attendent une révolution, pas des évolutions. Ouais, c'est ça qui plutôt qu'on peut dire. Ouais, parce que sur ce Grand Prix, on l'a vu encore, Johan avait un package aérodynamique qui était notamment sur l'arrière de selle, qui était différent de celui des Honda du HRC et de Bradle encore. Donc, on travaille, mais finalement, on a l'impression que malheureusement, ça n'évolue pas et ça change rien, quoi. C'est ça qui est surprenant et qu'on a du mal à comprendre parce qu'on en parlait le week-end dernier pour le débrief d'Aragon. Comment on en est arrivé là, quoi? Il faut pas oublier que le HRC, c'est quand même le service course et recherche et développement le plus important du paddock, quand même. C'est ça qui est incroyable. Ben, c'est pas... Enfin, Eric, on en a maintes fois parlé. C'est le service course qui a le plus de moyens financiers. En revanche, c'est pas le plus dynamique en termes d'innovation. Voilà, Marquez en est le plus bel exemple. Et chez Honda, il a vu, avec sa blessure, il a vu le projet plonger dans le néant, le projet de cet RC213V. Il y a eu le Covid, ils ont arrêté de bosser, ils n'ont pas cru au développement de l'aéro. Ils ont commencé à perdre le fil avec l'électronique quand le logiciel unique a été introduit. Donc tout ça, ça fait des années. Depuis des années, ça se délite. Mmh. Et à la différence des Européens qui ont mis en place des stratégies pour agir très vite, pour essayer beaucoup de choses, pour innover, les Japonais, ils se sont installés dans un système très, très lent où il faut valider, revalider, faire des allers-retours entre le terrain en Europe, les bureaux au Japon,
Quand il y a eu le Covid, ils se sont tous arrêtés de travailler, ils sont restés cadenassés chez eux pendant ce temps, chez même KTM et chez Ducati, ça a continué à bosser à fond. Voilà, le résultat, c'est tout ça. Après, Thomas, tu le dis, ils font un nouveau projet, mais un nouveau projet autour de quoi? Pour l'instant, ils n'arrivent pas à identifier là où ils perdent le plus. Je répète juste là, que je dis Zarco. Non, mais là, a priori, c'est... ils se disent que c'est surtout le défaut, c'est surtout l'électronique qui est pas la moto. C'est soit s'ils veulent utiliser la puissance, la moto elle patine, elle cabre, donc ils n'arrivent pas à gérer cette puissance. Et si quand ils essaient de canaliser l'agressivité de la moto, elle accélère plus. Donc ils n'arrivent pas à exploiter, ce qu'ils ont en fait. C'est ça le problème. Ouais, c'est là aussi où je disais c'est quand même incompréhensible de voir ce team un petit peu pédaler dans la choucroute, si vous me permettez l'expression, parce que franchement on a du mal à comprendre. Bon, maintenant il faut faire avec, et pour Johan, ce sont effectivement des points supplémentaires qui ont été marqués. C'est pas glorieux, mais c'est déjà ça. On verra ce qui se passera dans une semaine et demie sur le même circuit, puisque comme tu l'as dit, Michel, fort justement, tout le monde saura dans quelle direction travailler, dans quelle direction aller. On verra ce qui se passera. Messieurs, on va se quitter puisqu'on arrive au terme de ce débrief. Je vais vous laisser rentrer chez vous puisque vous êtes encore à Misano ce soir. Et puis, on va se retrouver donc dans une semaine et demie pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui se disputera une nouvelle fois sur le Grand Prix, sur le circuit de Misano. Je vais y arriver. Merci Michel, merci Thomas. Bonne soirée. Avec plaisir. Merci Eric. Et puis on se retrouve donc dans une semaine et demie pour le débrief de Talbac GP, donc consacré au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mais dès le week-end prochain, dès mardi prochain, eh bien, je vous donne rendez-vous, moi, pour le débrief de la dernière manche du championnat du monde d'endurance moto, à savoir le 87e Boldor qui se sera couru le week-end précédent sur le circuit Paul Ricard. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Pardon. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à nous laisser vos remarques et vos suggestions. On est ouvert à toute discussion et toute critique constructive. Donc, n'hésitez pas. Et on vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine. Merci.